Udjan. Donc là, on est dans la deuxième partie de la ville. En fait, ça se fait en deux parties. Il y a la partie ouest qu'on a fait hier et là, la partie est. Et à chaque fois, il faut payer l'équivalent de 20-25 € juste pour entrer dans la ville. Donc là, on est venu avec la fille de notre maison d'hôte qui nous a conduit jusqu'ici. Elle est adorable. Et voilà. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'on était dans la ville. En fait, sa maison d'hôte, elle est dans la partie est, où on doit payer les 20 et quelques euros. On était déjà à l'intérieur et elle nous a fait ressortir à l'extérieur pour acheter un ticket, pour payer, enfin voilà, pour pouvoir rentrer. On était un peu dégoûtés, mais apparemment c'est comme ça ici. Donc voilà, là il y a énormément de monde, des Chinois partout. Et on a toujours autant de succès, c'est-à-dire qu'on est arrivé il y a un quart d'heure et on a déjà dû faire une bonne quinzaine de photos. Enfin elle surtout, moi je suis trop moche par rapport à elle. Et là en fait on est sur un pont porte-bonheur. Si on passe du côté droit, ça nous apporte le pouvoir. Si on passe du côté gauche, ça nous apporte l'argent. On en a choisi le côté gauche, hein. Donc voilà, mais ouais, il y a énormément de monde aujourd'hui. Alors apparemment ici c'est les esprits. C'est quoi les esprits ou c'est des cendres Non, spirit, c'est de l'alcool. Bon, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit c'est les spirits, les esprits, mais en fait pas du tout, c'est spirit de l'alcool, hein, donc rien à voir, donc c'est pas du tout des cendres, des cadavres là-dedans, c'est de l'alcool tout simplement. Voilà, je suis bien conne. Ah oui, effectivement, il y a l'odeur qui va avec là. Il y a la fermentation, etc. Oui, donc j'étais totalement à côté de la plaque. Mais je préfère. Hein. Alors là, ça semble être une sorte de teinturerie pour les tissus traditionnels qu'on voit partout dans les boutiques. Voilà, c'est ce genre de motif, c'est un petit peu jeans. Et donc, en toute logique, voici les étendoirs sortant de la teinturerie. C'est assez joli. Attention. Oh, c'est trop bien. On va essayer de pas se prendre des Chinois. Préviens-moi si tu veux. Moi, je te... Stop. Les Chinois sont là. Une fille qui fait caca au bord de l'eau. Sa grue de Chinois, je vais montrer ça. C'est pas précisé, mais en fait, on est le week-end, là. On est samedi aujourd'hui. Effectivement, j'avais lu que les week-ends, les Chinois se déplaçaient beaucoup dans les villes à la campagne et que c'était bondé de monde. Mais donc voilà, je m'attendais à du monde, mais vraiment pas à ce point, quoi. Enfin, mais voilà, ceci explique cela. C'est quand même plus pittoresque de ce côté-là, du côté east, que du côté ouest où on était hier. Je pense que c'est un peu plus ancien aussi, enfin ça se voit de toute façon. Mais c'est super joli aussi. C'est très très beau. Là ça fait chier. Non,
tête d'un, et la forme d'un gros chien. Un gros chien comme on a chez nous, mais il est court sur pattes, comme une saucisse. Ça a pas l'air très très bon. Voilà, du coup c'est assez sympa. Dans le monde, il y a un peu moins de monde. Et c'est comme un petit marché en fait. C'est cool, on a pu faire des achats. On s'est acheté des belles lunettes et enfin, un cadeau pour mes beaux-parents. Et voilà, pour la maison aussi. Du coup, donc c'est vraiment cool. En plus, il y a beaucoup moins de monde. Maman aussi, elle s'est acheté des choses. Oui, pour ma maman. Voilà, on a fait des petits cadeaux déjà. Et puis voilà, on profite qu'il y ait un petit peu moins de monde dans cette rue. Voilà, c'est trop bien. Regardez, c'est des trucs qui se mangent. Donc à l'intérieur, ouais, c'est une petite cour en fait. Ils font sécher leur linge, des petites plantes. Ouais, ce matin, on a déjeuné sur les deux petites tables là. Mais il n'y a pas encore tous les draps. On a déjeuné sur les deux petites tables. C'était super agréable. Because it's a camera, a filming camera. Oh, oui. Chinese. Hi, what's your name? I'm Feng Xiaojun. Oh, okay. On essaye de communiquer en anglais chinois. Mais ça marche. Ça se voit que moi dans la dernière mode. Tu peux aller sur WeChat, sur QQ, il y a peut-être. Ou dire que... Là, ils sont trop gentils, notre famille d'accueil. Enfin, notre famille d'accueil. Les gens de notre maison d'hôte, ils sont venus avec nous jusqu'à la gare de bus. Ils nous aident pour acheter les billets, etc. Enfin, ils sont vraiment trop trop mignons. C'est le père et la fille. On attend notre bus. On a retrouvé nos copains à la gare. Ils ont dit hey, hello. En fait, ils nous ont vus dans la gare, ils nous ont fait des grands coucou. Bon, bye bye. En fait, c'est trop marrant. Du coup, elle a téléchargé un logiciel sur son téléphone pour... un traducteur oral, du coup eux ils nous parlent en chinois, ça traduit en anglais et puis après nous on parle en anglais, ça leur traduit en chinois, c'est trop marrant. Donc là elle est en train de nous dire Paris c'est très romantique et puis du coup elle a dit bah si vous venez en France on essaiera de vous voir et du coup ils sont trop trop contents, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Bon, par contre, il faut vérifier que le traducteur écrit les bons mots. Je vous donne la vie, je vous fais venir au monde. On voulait qu'il vienne nous voir et ça a traduit, ouais, je vous fais venir au monde. C'est rigolo. On sert aussi encore du bon vieux traducteur.
français-chinois, qui traduit que des mots, mais bon, ça va, on arrive à comprendre juste avec des mots. Surtout pour les noms de villes, c'est pas mal. Et les gestes. Alors, on est dans un grand magasin, Galerie Lafayette, à peu près. Enfin, un grand tu, hein, je pense. Là, il y a un mur d'ascenseur. Un mur d'ascenseur. Bon, je monte pas ce qu'il y a à côté, hein. En plus, il y a des escalators pour tous les étages. Mais OMG. Un mur d'ascenseur. Ouais, tous les gens qui sont en train de prendre des photos, là je pense qu'il y a tout le monde qui bug devant ce truc. On va prendre l'ascenseur ? Ouais, oui, on monte au sixième. Dans l'ascenseur, c'est juste la folie. Pays communiste, hein, quand même. Magnifique. C'est plus un pays communiste. Ah, ça, c'est Dubaï. Ils appellent même ça un ascenseur d'observation. C'est même pas un. Attends, on est déjà au sixième étage. C'est 5 secondes qu'on est monté dedans, même pas. Je vais pas montrer, mais même les boutons pour appuyer l'ascenseur, pour l'appeler, c'est genre des boutons en cristal. Hein. Je peux même aller faire pipi avec maman ici. Bon, je vais pas pousser le bis jusqu'à filmer l'intérieur des toilettes, mais ça va avec le reste. Hein. Il s'ouvre tout seul, il se nettoie tout seul. Tu peux même régler ton siège assis, couché, debout. Vas-y, j'arrive. Elle va faire son gros. Sort sa petite fille pour qu'elle fasse son gros pipi sur l'herbe. Oh, ils sont embarqués par sa petite fille. Mais c'est dommage qu'on fasse ça. Il y a un Bershka.